sont les éléments de discontinuité, c'est-à-dire quels sont les éléments nouveaux qui ressortent de la période récente, un petit peu avant les événements, on peut dire, de Gaza. Le mot événement, d'ailleurs, ça me rappelle qu'on disait, quand on parlait de la guerre d'Algérie, on disait les événements d'Algérie, sans les qualifier. Hein. Bon, là, il faut dire, c'est avant le massacre de Gaza. Et un petit peu après, dans la mesure où Gaza a révélé, par le comportement des puissances, qui était qui dans cette politique qui a été menée par Israël. Alors, je développerai d'abord, en fonction de des évolutions qu'on essaye de détecter dans le monde, deux problèmes rapides. L'évolution nouvelle aussi du mouvement national palestinien, parce qu'il se passe quand même des choses au mouvement national palestinien, mais Majed développera plus avarement que moi la question, mais nous sommes interpellés nous-mêmes aussi en tant que militants français sur ce qui se passe en Palestine. Et de ce point de vue-là, effectivement, il s'est passé un événement considérable, mais qui existe déjà depuis 2-3 ans. C'est la victoire du Hamas aux élections législatives. Quand je dis victoire du Hamas, c'est en même temps la défaite en face du Fatah et de toute la gauche palestinienne. Et c'était la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. C'est-à-dire pendant 40 ans, le mouvement Fatah est allié plus ou moins avec les forces de gauche, a dirigé le mouvement palestinien. L'OLP, quoi, pour le résumer en trois lettres, l'Organisation de libération de la Palestine, c'est le début d'une autre époque. Le début d'une autre époque dont il faut voir les possibles, les dynamiques qu'elle enclenche. Et cette situation, cette défaite du Fatah, reflète la défaite de tout le courant nationaliste arabe des années 50-60, qui s'était battu contre la colonisation européenne. Bon, pour citer nous, l'Algérie, hein, FLN des années 50, qui portait un projet quand même d'un nouvel État pour décoloniser, pour essayer d'entamer un certain type de sortie du sous-développement. C'est un peu ça l'espérance qu'on avait. Et donc tout ça a été battu, et nous avons donc une nouvelle situation, une nouvelle configuration du mouvement national palestinien. Mais cette nouvelle configuration est marquée en même temps par la division. Une division politique qui s'accompagne d'une division géographique qui pose un problème aux Palestiniens et à nous, par définition, parce que tous les problèmes palestiniens, des fois, nous les faisons d'autres, même si nous n'avons pas à les analyser ou à nous positionner de la même façon. Mais nous devons penser que ce mouvement national palestinien a aussi besoin d'unité pour s'imposer pour son projet. Donc, c'est une question nouvelle qui nous est posée dans le mouvement de solidarité. Jusque-là, l'OLP réalisait l'unité palestinienne. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, il faut voir comment on fait, quel rapport nous avons et quelle position nous devons avoir, non pas pour un débat interne, mais pour faciliter, évidemment, cette unité palestinienne absolument, nécessaire. Cela révèle aussi la montée dans l'ensemble du monde arabe, d'un nouvel acteur politique tout à fait décisif pour l'avenir du monde arabe, qui est l'islam politique, qui apparaît comme l'alternative à la politique actuelle, aussi bien d'ailleurs des États arabes que de ce qui se passe en Palestine. Donc nous avons toute cette situation qu'il nous faut analyser, qu'il nous faut comprendre, bien entendu, pour mieux répondre aux exigences de la solidarité, parce que, bien sûr, c'est très important. Mais ce qu'il y a de problématique, c'est que cette unité dépend de facteurs qui ne sont pas essentiellement palestiniens. Dans la mesure où les deux forces palestiniennes, qui sont pauvres, enfin les deux forces Fatah Hamas, mais il y en a d'autres, sont quand même liées à l'extérieur, liées à des parrains extérieurs, si on peut dire. Et donc, et ces parrains, comme les États-Unis pour Fatah ou l'Iran pour le Hamas, n'ont pas forcément des intérêts communs. Et donc c'est difficile pour le mouvement palestinien de récupérer une autonomie pour laquelle Arafat s'est beaucoup battu dans les années 60-70. Là, c'est une situation donc, qui nécessiterait d'être vue de plus près et discuter avec nos amis palestiniens, nos partenaires palestiniens de toutes les tendances. Nous devons avoir un débat, un rapport avec toutes les forces politiques palestiniennes, que ce soit le Fatah, le Hamas ou toutes les forces de la gauche palestinienne. Deuxième élément, la politique d'Israël, qui là aussi nécessitera une analyse que va nous faire Michel. J'insisterai sur un point qui me semble nouveau, et je crois que Michel est d'accord avec moi aussi, mais je voudrais en parler
un petit peu ici, parce que c'est ici que je me suis souvent exprimé en nom du mouvement pour le désarmement et contre les nucléaires, c'est que c'est le, je ne sais pas si c'est, on peut dire, changement de nature de la façon dont Israël mène sa guerre contre les Palestiniens. Et ça, ce qui s'est passé à Gaza doit nous interroger, disons, sur la politique menée, la politique de guerre menée par l'armée israélienne. Vous savez que, officiellement, si on peut dire, dans l'idéologie dominante depuis Bush, la guerre qui est menée maintenant, c'est la guerre contre le terrorisme. Voilà le concept, pseudo-concept, que veulent nous imposer les Américains, que les Israéliens ont adopté de pleine joie. Mais ça a abouti des conséquences, à savoir que, comme Hamas est terroriste, puisqu'on les a situés dans ces organisations, et que les Palestiniens, donc, ont voté pour Hamas, donc ils sont terroristes, donc il y a toute une série de conséquences dans cette logique-là. Je crois en particulier que, finalement, si on situe dans la façon dont les Américains et les Israéliens conçoivent la guerre, une guerre asymétrique, hein, les mots qui courent dans les états-majors et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, que c'est un conflit entre une partie dotée de tous les éléments de la technologie militaire, de la superpuissance militaire, bien entendu, et en même temps, en face, un adversaire, si on peut dire, très faible. Très faible, maintenant, une combat dans des conditions pour les dominants de manière incorrecte, pas très bien, quoi. Hein. Et quel est le résultat, finalement, de cette présentation de ce conflit, de la signification? Elle n'est pas seulement militaire, elle est beaucoup plus profonde que cela. Elle est, je dirais, presque la conception d'humanité qui est derrière dans tout ça. Et que la définition de l'ennemi, c'est le barbare. Maintenant, c'est le barbare, c'est le, je ne sais plus comment dire, le criminel. Ça veut dire qu'on ne lui reconnaît plus le statut de combattant. Ça, c'est très très important. Et ce qui aboutit, finalement, on considère que c'est un problème technique à régler, comme un désastre naturel qui s'oppose à ses objectifs, et que on considère que aujourd'hui, et ça, c'est la liaison aussi avec ce que veulent nous vendre les Américains, les néoconservateurs, la guerre des cultures. On considère que nous sommes porteurs de la seule culture qui vaille. La culture, disons, occidentale, je ne sais pas quoi, et que la nôtre et que les autres, ce n'est pas une culture, quoi. Alors c'est une culture déformée, une culture inférieure, très inférieure, qui est vraiment à la limite de l'humanité. Et que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se bat, d'un côté, il y a les. Comment dire? On se bat contre des non-hommes, si vous voulez. C'est plus des hommes dignes d'une certaine culture, c'est plus des hommes. Et, on n'entend pas très bien au fond. On n'entend pas très bien au fond? Oui, voilà. Ben, je vais... Encore, ben, ouais, d'accord. Et que finalement, ces adversaires-là, pour Israël, ils sont exclus du genre humain. Et ça, c'est très important pour comprendre le risque que courent, en quelque sorte, non seulement le peuple palestinien, mais ceux qui ne se sont pas situés dans la civilisation judéo-chrétienne, pour dire vite. C'est une logique d'extermination qui est proposée, d'extermination de masse, et on est en train de créer la légitimation d'armes de destruction de masse, pour la faire avaler par le pays, puisqu'on va l'utiliser contre des non-hommes, donc ce n'est pas grave. Hein. Et tout ça, derrière, renvoie, à mon sens, au risque d'utilisation d'armes de destruction de masse, y compris le nucléaire. Et il faut bien penser à ce risque-là, étant donné les problèmes qui se posent, y compris avec l'Iran, mais pas seulement. Et pour moi, c'est une angoisse profonde de ce point de vue-là. Et c'est pas nouveau, mais je crois que ça se pose en termes nouveaux, d'autant que l'opinion israélienne commence à penser que c'est une possibilité. Lieberman défend un peu cette idée, je crois. Enfin, tu en parleras, Michel. Mais, donc, dans l'opinion même israélienne, il y a cette légitimation de l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors maintenant,